Je vous propose de voir avec ces quelques vidéos la mise en forme de texte long sur un traitement de texte. D'abord, ouvrons notre traitement de texte OpenOffice en cliquant sur Texte. Et je vous propose de travailler sur un fichier que vous devrez vous procurer qui s'appelle La vie sexuelle des huîtres. Je vous propose de l'ouvrir. Ce document est un texte d'environ une page qui s'allongera au fur et à mesure de sa présentation. Voyons tout d'abord la présentation du titre. Je sélectionne mon texte, comme nous avons vu précédemment, et ici, la police choisie est une police que l'on appelle Arial Black. Le texte est en gras, centré. La taille est bien sûr un peu plus grande, c'est-à-dire peut-être du 18, et sa couleur, en fait, est noire au départ. Donc je le remets. C'est pour distinguer la couleur du texte et celle des titres. Mais nous constatons qu'ici, nous avons une mise en forme particulière. Eh bien, cette mise en forme, vous la trouverez dans Format Caractère. Vous trouverez, donc, retrouverez les effets de police de caractère que nous venons de voir. Mais dans Effets de caractère, vous retrouverez quelques options supplémentaires. On retrouve la couleur. Mais on pourra retrouver aussi l'option Plan, qui est simplement de faire le contour des lettres. Et je crois y avoir ajouté une petite ombre. Voilà quelques possibilités que l'on ait en plus de la mise en forme des caractères. Vous aurez quelques onglets suivant position, hyperlien, arrière-plan qui n'ont peu d'intérêt. En tout cas, vous retrouverez ici des effets de caractère qui peuvent permettre de mettre en forme des choses supplémentaires. Notamment, si vous voulez souligner avec autre chose qu'un trait simple, vous retrouverez ici un trait double, un trait gras, un pointillé, etc. Voilà les possibilités qui sont offertes dans Format Caractère. Je clique sur OK et je vois mon texte présenté comme sur le modèle. Allez, c'est à vous maintenant.